partie civile. Je vous remercie, Monsieur le Président. Nous n'avons pas beaucoup de questions. Et je voudrais commencer par féliciter Madame, puisque vous avez eu un courage exceptionnel de venir détailler les préjudices, les crimes dont vous avez été victime au stade du 28 septembre 2009. Vous êtes un espoir pour la jeunesse guinéenne. Vous êtes un exemple, vous êtes une héroïne pour le pays. Je vous remercie pour ça. Maintenant, plusieurs questions vous ont été posées ici. Certaines sont relatives à votre constitution de parti civil au moment de ce procès. D'autres sont relatives à la déclaration. Mais ce qui est important, vous avez fait un récit cohérent. Vous avez expliqué dans les moindres détails tout ce que vous avez subi au stade. Merci, Monsieur le Président. La première question, est-ce que vous savez que vous avez le droit de vous constituer parti civil jusqu'à ce que, avant la clôture des débats dans cette affaire, est-ce que vous savez que vous avez ce droit, madame? Oui. Est-ce que ce n'est pas ce que vous avez fait? C'est ça que j'ai fait. Est-ce que quelqu'un peut considérer dans cette salle que votre constitution de parti civil est tardive? Non. Merci. Très bien. Vous avez parlé de Marcel. Il vous a été reproché ici de n'avoir pas parlé de Marcel dans votre récit avant votre comparution à cette barre, n'est-ce pas? Oui. Et dans le document de constitution de parti civil, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous savez que vous avez le droit de raconter des choses dont vous n'aviez pas fait état au moment des faits, est-ce que vous savez que vous avez ce droit? Oui, maître. Est-ce que vous savez que aussi longtemps que les débats se poursuivront dans cette affaire, vous avez le droit de rajouter tout élément qui n'avait pas été pris en compte au moment de votre première déclaration? Est-ce que vous le savez? Oui, maître. Est-ce que vous avez vu Marcel au stade? Oui, j'ai vu Marcel au stade. Est-ce que vous avez une quelconque raison d'accuser Marcel Guilavogui dans cette affaire? Je n'ai pas, il n'y a aucune raison de l'accuser comme ça. C'est parce que je lui ai vu au stade. Et qui sont rentrés en première position aussi. C'est comme ça que, avec... Est-ce que vous savez, à part vous, des dizaines de personnes ont confirmé avoir vu Marcel au stade du 28 septembre au moment des faits? Oui. Est-ce que vous savez que Sidi Touré a déclaré dans son procès verbal d'audition que Marcel lui a asséné un coup sec sur la tête? Est-ce que vous le savez? Oui, il avait même des trucs là, comme gourdin là. Lui, il tenait ça comme ça. C'est ça que là-bas qu'il a passé, nous on était, c'est ça, comme ça qu'il a tapé M. Sidia ici. Très bien. Est-ce qu'avant l'arrivée de Marcel, les leaders avaient été attaqués? Non, on était là-bas, l'ambiance, il y avait tellement d'ambiance, on ne pensait même pas que ça allait se produire. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, on ne peut pas dire que c'est Marcel qui a conduit le groupe de Béret Rouge dans cette expédition punitive? C'est lui qui va passer, nous, c'est lui qu'on a vu là-bas. Est-ce qu'il était armé? Oui, il avait. Parce que moi, je n'ai pas. En fait, c'est le truc là que j'ai vu sur sa main. Mais les autres là étaient armés. Est-ce que vous avez remarqué que les Béret Rouge qui étaient avec Marcel recevaient des ordres directement de lui? Oui, parce qu'il disait que c'est l'ordre qu'ils ont. On les a donné un ordre de venir faire. De votre point de vue, qui, dans ce bloc des accusés, pouvait donner des ordres à Marcel pour aller perpétrer ces massacres au stade? Ah,
Peut-être c'est leur chef. Qui était leur chef, madame? C'est Moussa Dadis Camara. Donc, nous savons aujourd'hui qui est l'ordonnateur principal pour les massacres du 28 septembre, oui ou non? Ah oui. Alors, donc qu'on ne s'amuse pas avec ça. Très bien. Est-ce que à un moment donné, pendant ces événements, est-ce que vous avez remarqué la présence de M. Thieburo aux abords du stade? Celui qu'on a trouvé là-bas en première position. Est-ce qu'il était en compagnie de ces éléments aux abords du stade? Oui, lorsque nous sommes venus, il était avec ses gardes. Il parlait aux jeunes de reporter la marche. Après, un homme qui habillait de noir, il disait que non, c'est ce jour-là qu'on a dit non au général de Gaulle et c'est ce jour aussi qu'on va dire non à la candidature de Moussa. Quelle a été son attitude quand ce jeune homme lui a rétorqué ça? Bon, maintenant, il s'est tellement fusillé. Bon, il demandait où était le leader. Et après, les jeunes ont répondu. Le leader sonne de l'autre côté à l'université. Dites-moi, vous avez, dans votre narration, il me semble avoir entendu qu'il était présent jusqu'à Hamdallah. Ou bien je me trompe? Oui, il était passé. Bon, il y avait même de l'air véhicule qui se promenait un peu partout. Quelqu'un qui n'est pas chargé du maintien d'ordre, comme il le prétend, est-ce qu'il avait besoin d'aller jusqu'à Hamdallah pour empêcher le regroupement au stade? Est-ce que c'est logique? Non, c'est pas logique. Il a été rapporté à cette barre que des jeunes ont été tués aux abords du stade avant l'ouverture de la porte. Est-ce que vous en savez quelque chose? Là, je n'en sais pas trop. Très bien. Mais quand même, vous pouvez confirmer à cette barre que effectivement, le colonel Thieburo était en compagnie de plusieurs de ces éléments au moment des faits, n'est-ce pas? Oui, même les CMS, les bérets, le béret rouge, les bérets verts, même, je me rappelle, M. Bafoué. Oui. Lui, il était au niveau de terrasse là, Bafoué, avec les policiers. Donc le général Bafoué aussi était, ouais, dans le cadre du maintien d'ordre sous l'esplanade du stade. Oui. Est-ce que vous pensez que le général Bafoué ne devrait pas comparaître à cette barre? Parlez dans le micro. Est-ce que vous savez qu'à l'époque, il était un des maillons forts des escadrons? Ah là, je ne savais pas. Vous l'avez aperçu quand même aux abords du stade? Oui, je l'ai aperçu, bon, avec les policiers. Il y avait des policiers qui habillaient